parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom... Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala diffusée par la Tour Eiffel. Avant, j'aimais pas la politique. Nous sommes toujours au Café Français. Nous accueillons aujourd'hui Frédéric Lefebvre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes l'ancien secrétaire d'État au commerce. Vous avez été député des Hauts-de-Seine, des Français d'Amérique du Nord, pour faire simple, Canada et États-Unis. Et nous vous accueillons pour la sortie de cet ouvrage, Chaos, histoire secrète de la guerre des droites. On voit la couverture chez Michel Lafon. Et ensuite, cette photo, on va reparler du livre ensuite, cette photo où vous avez 3 ans, est-ce que vous pouvez nous raconter, vous êtes où et qui est le monsieur qui est avec vous ? Le monsieur, c'est le maire de Long Branch, qui est dans le New Jersey, qui est tout près de New York, qui était à l'époque, qui est une ville qui est très connue aux États-Unis, parce que c'était à l'époque un peu le Deauville de la côte Est, en fait. Et le maire, qui s'appelle Jimmy Roosevelt, est descendant direct de Theodore Roosevelt, et c'est un cousin. Et nous habitions, parce que mon père était médecin à New York, nous habitions chez lui pendant un temps, avant d'habiter Washington Square. Et donc, vous voyez, c'est un premier contact avec la politique. Très tôt. Très tôt. Vous êtes tombé dans le bain. Alors, à quel moment, véritablement, vous décidez de faire de la politique de J'ai toujours un peu de mal à d'abord décider à faire de la politique. Vous engagez. Ça dépend ce qu'on appelle faire de la politique. Décider à m'occuper des autres depuis toujours, depuis que je suis très, très jeune. Et m'intéresser à la chose publique, c'est-à-dire au débat public et à la politique telle qu'on l'imagine, c'est-à-dire la gauche, la droite. Ça, c'est au collège où je lisais Le Monde tous les jours et je ne ratais jamais des occasions de faire des débats, soit avec mes profs, soit avec quelques rares collégiens qui s'intéressaient aussi au débat public. Puis après, je me suis engagé assez tôt, puisque j'ai dû adhérer au RPR de Jacques Chirac, donc, quand je devais avoir 16 ans et demi à peu près, 16 ans et demi, 17 ans. Et puis, très rapidement, j'ai pris des responsabilités au plan local, dans la Garches, qui est la ville que nous avons rejoint avec ma famille quand on est rentré des États-Unis. Et je suis devenu d'ailleurs... très jeune maire adjoint, puisque c'était à l'époque, j'étais le plus jeune maire adjoint d'Île-de-France, je devais avoir 25 ans à Garches. Et là, j'ai sillonné cette ville et cette circonscription avec un homme pour qui j'avais beaucoup de respect, qui est Jacques Baumel, avec Patrick Ollier aussi, qui est l'actuel maire de Rueil-Malmaison et qui était conseiller de Jacques Chaban-Delmas. Voilà, vous racontez dans l'ouvrage, beaucoup pensent que votre mentor politique est Nicolas Sarkozy, mais vous racontez que c'est plutôt Jacques Chaban-Delmas. C'est Jacques Chaban-Delmas. En fait, grâce à Patrick Ollier, j'ai pu rejoindre... J'étais un peu la petite main du cabinet quand il était président de l'Assemblée nationale. Et là, j'ai d'une certaine manière appris la politique avec un homme qui était un homme... à la fois sans doute le plus innovant du siècle dernier et en même temps qui avait une immense humanité. Le maire de Bordeaux, pour ceux qui... Le maire de Bordeaux. Le plus jeune d'entre nous. Très grande empathie et quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration. Si vous lisez le discours de la nouvelle société aujourd'hui, vous apercevez que finalement on a perdu beaucoup de temps et que... Peut-être qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est celui qui est en train, enfin, d'essayer de l'appliquer. Alors précisément, dans l'ouvrage, vous racontez des rendez-vous secrets avec Emmanuel Macron. Mais d'abord, ce qui n'est pas secret, et tout le monde l'a suivi, c'est que quand j'étais député, moi, j'ai toujours me suis battu, en réalité, pour l'addition plus que pour la division. Et quand j'étais député des Français, des États-Unis, du Canada, je votais les textes quand je pensais qu'ils étaient bons pour le pays. Ce qui m'a amené à être le seul député... UMP de l'époque, a voté la loi Macron. Et c'est amusant d'ailleurs parce qu'on a négocié sur un certain nombre de points avec l'actuel président de la République
Et parfois, d'ailleurs, on négociait quand on était à Vegas, au CIS de Vegas, puisque c'est, tout ça tombait à peu près au même moment. Donc ça a été des entretiens que tout le monde a pu voir, ou une forme de complicité. Et je crois, une étape importante, en tout cas, il le considère, parce que ça a été un moment où il a pu montrer, lui, avec beaucoup d'audace, cette capacité à additionner la droite et la gauche. Et dans la foulée de ce texte, on a beaucoup échangé, on a beaucoup parlé, et on s'est parfois vu, effectivement, sans que personne ne le sache, et je raconte dans le livre, notamment un entretien où on a beaucoup échangé à un moment où il n'avait pas encore pris sa décision de se présenter à l'élection présidentielle et où on a évoqué notamment toute la période où Nicolas Sarkozy lui-même a un peu décidé d'aller contre Jacques Chirac. Et donc, il y a des similitudes évidemment, ouais. Et on a beaucoup échangé sur ces questions, je raconte ça effectivement dans le livre. Vous devez être forcément attentif. Alors, l'ouvrage commence sur un chapitre qui s'appelle « En marge », où finalement vous racontez que la politique a failli vous tuer. J'ai eu cette chance finalement. Vous avez fait une embolie pulmonaire et j'ai fait 7 embolies pulmonaires, j'ai fait un infarctus pulmonaire. Et je raconte effectivement, c'est un moment évidemment très, très, très personnel, mais que je partage, que sans ma femme, je ne serais plus là en réalité. L'embolie pulmonaire a comme autre nom la mort douce. Et donc, vous êtes porté comme sur un nuage dans du coton et vous vous en allez. Et si ma femme avait fait ce qu'elle voulait faire, c'est-à-dire sortir de la pièce pour appeler le SAMU, je pense que je ne serais plus là. Et on s'est compris, et elle m'a embrassé, et je suis là. Et c'est vrai que c'est la politique qui... Le stress de la politique, la déshumanisation, la brutalité de la politique, la peine que peut engendrer cette aventure qui est avant tout une aventure humaine, qui m'a amené à vivre ce moment particulier dans une vie, mais en même temps un moment que je considère comme une chance parce que c'est là que j'ai compris véritablement le sens de la vie. Ce que vous montrez aussi, c'est que ça transforme votre relation à la politique, parce que vous avez décidé de continuer à faire de la politique, mais différemment. Oui, tout ça a été amusant d'ailleurs, parce que à ce moment-là, je crois que c'est le JDD avait fait un grand papier sur Frédéric Lefebvre veut arrêter la politique à 50 ans. C'était des interprétations, en fait, de discussions que j'avais. Mais ce qu'a ensuite assez bien résumé Alain Auffray dans Libé, c'est oui, Frédéric Lefebvre a arrêté la politique, mais la politique politicienne. Et oui, là, je me suis... En deux mots, hein, ils disent politics et policy. Exactement. La petite politique et exactement. La haute politique. Et finalement, c'est ça. C'est que je me suis juré de ne jamais faire à François Hollande, quand il a été élu, ce que le Parti Socialiste faisait à Nicolas Sarkozy tous les jours, c'est-à-dire attaquer tout, refuser tout, parce que je pense que c'est pas bien pour le pays. Et j'ai essayé d'imprimer cette nouvelle attitude politique. J'ai été très seul, peut-être vous en souvenez-vous, ça m'a valu ce que je raconte dans le livre. Une extrême violence de la part de Nicolas Sarkozy qui n'acceptait pas que je puisse troubler, entre guillemets, le jeu politique. Mais je l'ai fait avec mon énergie, ma conviction et ma liberté. Parce que c'est ce que je dis aussi dans le livre. Contrairement à beaucoup d'hommes et de femmes politiques, j'ai toujours voulu mener d'autres activités en même temps que ma vie politique. Je suis avocat, j'ai été chef d'entreprise, j'ai fait un peu de production de cinéma, j'ai fait beaucoup de choses, mais en même temps, ça m'a permis de me sentir toujours libre, et notamment libre de résister aux menaces, aux pressions, à la brutalité des uns et des autres, qui considèrent que, c'est que vous trahissez la famille, au sens... sicilien du terme, si
si vous ne respectez pas une sorte de code qui est qu'il faut faire passer l'intérêt de la famille avant l'intérêt du pays. Moi, j'ai essayé de faire l'inverse. Alors précisément, il y a des pages qui vont être, que beaucoup vont se précipiter sur certains chapitres qui concernent, vous avez fait une grande enquête sur Wauquiez et en particulier sur ce qui se tramerait des relations entre une droite française classique et l'extrême droite. Qu'est-ce que vous avez trouvé là ? Ben, j'ai expliqué d'abord un peu les raisons de ma rupture avec Nicolas Sarkozy et la ligne buissonnière dans laquelle Nicolas Sarkozy s'est perdu. J'explique qu'il est une âme égarée. C'est une ligne qu'ensuite Laurent Wauquiez, qui n'a ni le charisme ni les valeurs que peut avoir Nicolas Sarkozy, cette ligne buissonnière, il en a fait une autoroute. Et aujourd'hui, je raconte avec des éléments extrêmement concrets comment Laurent Wauquiez mène une stratégie non pas d'alliance avec le Front National, mais une stratégie d'alliance souterraine avec l'extrême droite la plus identitaire et la plus rétrograde, et qui a un visage souriant, qu'on a vu s'exprimer d'ailleurs aux États-Unis à la tribune des conservateurs après le vice-président et avant Marion le président Maréchal Trump, Le Pen. Marion Maréchal Le Pen. Mais j'explique aussi dans le livre que Laurent Wauquiez, alors je donne des tas d'éléments très concrets sur des liens, notamment autour d'un magazine qui s'appelle L'Incorrect, avec des hommes et des femmes proches de Wauquiez, des hommes et des femmes proche de Marion Maréchal Le Pen, qui travaillent ensemble à ce projet. J'explique comment, avec Sens Commun, Laurent Wauquiez est en train de créer les conditions de faire cette alliance sur les idées, bien sûr, mais sur les hommes aussi, pour le futur. Mais j'explique tout au long de ces chapitres, il y en a trois qui sont des chapitres d'enquête, j'explique tout au long de ces chapitres, la conclusion de ces trois chapitres, c'est qu'il est, d'une certaine manière, l'éclaireur malgré lui de Marion Maréchal Le Pen. Et qu'au final, les Français qui se retrouvent dans cette droite-là vont choisir non pas Laurent Wauquiez, mais qui aura fait le sale boulot, pour Marion Maréchal Le Pen, mais vont choisir celle qui aujourd'hui a une stratégie intelligente, fondée d'ailleurs en partie sur la stratégie qu'a lui-même pu conduire Emmanuel Macron, ou que d'autres personnalités, parfois de mes amis, je pense à Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est aujourd'hui en poste à New York, c'est-à-dire du recul par rapport à la vie politique, une autre expérience, notamment dans le privé. Et je pense qu'aujourd'hui, on vient, il y a quelques semaines, de voir à un moment où Wauquiez était empêtré dans ces histoires franco-françaises de destruction en réalité de la droite, puisque c'est ce qu'il a entrepris contre Juppé, contre Sarkozy, contre tout le monde. Et donc la destruction de ce rassemblement qui, du gaullisme à Jacques Chirac, avait petit à petit créé une vraie force dans le pays. Dans le même temps, une Marion Maréchal Le Pen qui, elle, est en train de prendre son envol. Et je crois que ça dessine ce qui va se passer dans le futur. Et donc l'éclaireur malgré lui, le cheval de Troie, c'est de Marion Maréchal Le Pen, c'est Laurent Wauquiez. Et dans votre ouvrage, il y a des pages aussi intéressantes qui permettent de revenir sur l'affaire Fillon. Quelques mois après, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qui a tué François Fillon ? Alors on a beaucoup parlé de cabinet noir. Moi j'ai beaucoup vu, je le raconte, vous l'avez lu, François Hollande, dans cette période. En réalité, ceux qui ont cherché à déstabiliser François Fillon, dès le départ, dès qu'il a été choisi comme candidat de la droite après les primaires, sont les sarkozystes. Et c'est Nicolas Sarkozy lui-même. Sont les sarkozystes, notamment à travers Laurent Wauquiez. Et je raconte tout au fil de ces pages toutes les initiatives qui ont pu être prises pour le déstabiliser.
Parce qu'évidemment, Laurent Wauquiez aujourd'hui, certains disent... Jusqu'au coup fatal, vous pensez que derrière... Alors le coup fatal, c'est toujours pareil. Ça, je n'ai évidemment aucun élément sur... Et les seuls qui savent où ils ont récupéré les informations sont les journalistes du Canard Enchaîné. Mais, vous savez, c'est pas... Ce qui compte dans ce système, ce n'est pas tellement de savoir ce qui finalement aura mis à terre Fillon. Ce qui est intéressant et ce que je décris, c'est avant même l'histoire qui sort dans le Canard Enchaîné, les coups de boutoir permanents qui sont donnés pour essayer de déstabiliser François Fillon. Et ensuite, toujours de la part des mêmes sarkozystes, la volonté d'empêcher Alain Juppé d'être l'alternative à un moment où la droite pouvait encore gagner. Donc je raconte dans le détail tout ça, avec en particulier un épisode que j'ai vécu personnellement, puisque peut-être vous en souvenez-vous, le film La Conquête l'avait popularisé. En 2007, quand nous avions amené Nicolas Sarkozy au pouvoir, nous étions une petite équipe qui était surnommée par les journalistes La Firme, dans laquelle je partageais le rôle... d'acteurs de cette victoire avec Brice Hortefeux, avec Franck Louvrier, avec Laurent Soli à l'époque, Pierre Charon. Et juste au moment, le jour même, où le Canard publie cette affaire sur François Fillon, alors même que Nicolas Sarkozy avait, je le raconte, interdit à ses proches de me parler depuis des mois et des mois, puisqu'il y avait une entreprise de démolition contre moi qui avait été engagée, je reçois par miracle une invitation à dîner au Fouquet, ça ne s'invente pas, par La Firme. Et on me dit que c'est très amical, jusqu'à ce que je reçoive un coup de fil juste avant que le dîner ait lieu, et donc ce dîner n'aura pas lieu, en tout cas je ne m'y rendrai pas finalement, je reçois un coup de fil d'une journaliste de radio, qui se reconnaîtra et qui me dit alors la firme est reconstituée, vous avez de nouveaux combats à mener. Donc j'ai compris que c'était non pas du tout amical, mais que c'était en réalité la volonté de m'enrôler à nouveau. Et on a vu ensuite à quel point ceux qui ont planté la dague justement à François Fillon ont été justement les sarkozystes, et notamment Laurent Wauquiez. Je raconte un épisode d'ailleurs amusant, dans cette tragédie, mais dans lequel que les journalistes n'ont pas vécu, puisque c'était une réunion à huis clos, où il y avait beaucoup de parlementaires, donc j'y étais, et François Fillon est sur scène, Laurent Wauquiez est au fond de la salle, et Laurent Wauquiez complote contre François Fillon depuis des semaines, et François Fillon s'adresse à lui en lui disant « Mais viens, Laurent, sur scène avec nous. Viens à nos côtés. » Laurent Wauquiez est tout rouge au fond de la salle. Et François Fillon insiste. Et Laurent Wauquiez finit par venir et traverser la salle pour se rapprocher de la scène, mais ne monte pas sur la scène. Il y a un échange assez vif entre eux. Et les parlementaires ricanent, voyant Laurent Wauquiez, dont ils savent parfaitement qu'il complote depuis des semaines déstabilisées par François Fillon. Voilà. Ce type d'éléments extrêmement concrets montre à quel point la volonté, Nicolas Sarkozy ayant été battu sèchement à la primaire, la volonté de déstabiliser François Fillon et ensuite d'empêcher la solution Juppé, d'essayer d'imposer une solution Barouin, puis finalement... avec une politique de la terre brûlée. Politique de la terre brûlée, exactement, complète. C'est vraiment de la destruction. Et ensuite, une fois que le cadavre de la droite est chaud, une forme d'empressement a amené ce cadavre au nouveau président Emmanuel Macron avant les législatives. Tout ça était assez impressionnant et assez caractéristique finalement de ce que j'essaie de raconter dans le livre. C'est cette guerre des droites qui, depuis 30 ans, a désespéré les citoyens et les électeurs de la droite et du centre dans notre pays. Frédéric Lefebvre, je renvoie à votre ouvrage parce que 13 minutes ne suffisent pas. Chaos, histoire au pluriel,
secrète. La petite et la grande. La petite et la grande, histoire secrète de la guerre des droites. C'est chez Michel Lafon. Et c'était avant, j'aimais pas la politique, mais ça, c'était avant. Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom...